Mesdames, Messieurs, bienvenue à la toute dernière sortie du coup d'œil de cette semaine. Les informations qui feront l'essentiel du journal, la ville d'Ekaï vient de connaître 3 jours de blackout total. Les membres de Kazakh n'ont pas reçu leur chèque depuis tantôt 13 mois, dénonce d'Haïti Jean-Yves, président de l'Association des Kazakhs du Sud. Au village de Dieu, un blindé de la PNH incendié, un autre confisqué par les bandits. Le président de la République, Jovenel Moïse, dans une causerie à la Nation ce vendredi, a déploré la mort des policiers lors de l'opération menée au village de Dieu. Meurtre de George Floyd, la famille obtient 27 millions de dommages intérêts. Ces informations et d'autres vous seront développées. Les résidents de la ville d'Ekaï, qui étaient alimentés d'environ 3 heures d'électricité par jour pendant 2 ou 3 fois par semaine, ont connu 3 jours de blackout total. Reportage signé France Terre Neptune. La ville d'Ekaï, qui disposait entre 2 ou 3 heures de temps d'alimentation en énergie électrique 2 ou 3 fois par semaine, vient de connaître 3 jours dans le blackout total. Cette situation est causée par une panne de moteur, selon une note du centre semi-autonome de l'EDH d'Ekaï, publiée mardi dernier sur son compte Facebook. Des professionnels qui utilisent le courant électrique pour gagner leur pain se montrent mécontents. Ils racontent les difficultés qu'ils affrontent dans l'absence du courant de l'EDH. Bon, on est... Nous avons un courant, EDH, pas un courant, sur les gros albaïlis. Il y a une semaine à la longue jour, et avec 3-4 jours encore, qu'il va en bali. Et sous le bali, là, c'est 3 êtres de courant. Nous obligés, nous utilisons l'autre moyen, qui est pour nous dégager nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter chita. Ce qui vraiment dérangé, parce que les poids qui est gaz, pour utiliser Delco, mais si EDH, sont celles dépensées, pourquoi on est payé EDH, mais on finit, mais on a acheté gaz, Delco a un bon problème, on a acheté gaz, plus de bagarre encore, sont pas qu'un problème ni pour nous. Je demande aux autorités, bon, qui ont gardé ça au café, si on a résolu le problème courant, même les, il y a 24 sur 24, mais quand même, même on s'y est de courant par jour, qui ont été capables nous, parce que ils connaissent ça courant, qui vont nous défendre nous. D'autres informent qu'ils n'ont pas de problème à payer l'électricité, toutefois, il n'est pas disponible. Ces professionnels ont aussi fait savoir que les pannes de courant paralysent leur milieu de travail. Ce courant n'a pas de vie pour nous. Moi, je vais laisser ça. Je vais avoir un courant. Et la baie courant pour payer courant. Mais nous-mêmes, nous avons aimé faire ça dans le shop là, même pas jouer un service. Nous avons souffert. Nous-mêmes, nous avons un petit monde, nous-mêmes, c'est un sous-demier. Ça avec courant, m'a pressionné le jour. Nous avons que le bar, ça dérange moi-même. Nous avons un shop là paralysé. Pas de baie courant. Ça frappe une pièce d'une parce que depuis que vous travaillez, depuis que vous n'avez pas un courant pour travailler, vous n'avez pas de conséquences, ça n'a pas de résultat. Il faut que vous disiez un bill. Bon, moi, ça m'a demandé, c'est pour ce qu'on s'habille, vous apprenez un meilleur pour qu'ils aient fini. Un nouveau directeur est pourtant fraîchement installé au centre semi-autonome de l'EDH d'Ekaï. À quand fera-t-il sentir sa présence? Entre-temps, le courant électrique semble timidement revenir dans une portion du centre-ville jeudi soir. Le problème est-il résolu? À quand le courant 24 sur 24 promis par le président de la République? Monsieur le nouveau directeur de l'EDH d'Ekaï, à vous de répondre. Autre information, les membres des Kazakhs du Sud n'ont pas reçu depuis 13 mois leur salaire. Une situation jugée grave par le président de l'Association de Kazakhs du Sud d'Haïti, Jean-Yves. Outre les 13 mois de salaire, les autorités étatiques doivent 2 ans de loyer pour les locaux,
logeant les conseils d'administration des sections communales, a informé d'Haïti Jean-Yves au micro d'Amos Sénat. Suivez. Problème pas touché, hein? Tellement grave, nous ne pouvons pas même parler de lui. Parce que nous jugeons que ce n'est pas normal. Pour l'État, tu as dû caser 13 mois sans qu'il ne soit payé. Et alors, ce que ça a l'air casé pour toucher, il n'est pas représenté en rien par rapport à la Colabia pour l'État doué nous 13 mois sans payer. Et après 13 mois, ça, l'État doué 2 ans de loyer, c'est-à-dire qu'il y a pour loger concernant la section communale, il n'est pas payé. Et en plus de ça, le ministère de planification, nous, si un protocole d'accord concernant 1 million de gouttes, il était mis dans le budget rectificatif 17-18 pour nous. Depuis lors, il n'y a pas jamais de alors que nous signons un contrat avec planification pour nous pour un rapport de ça qu'il va nous en pourtant par nous. Donc c'est ça que nous-mêmes, au sujet de ça qui m'a parlé, nous au niveau du département, nous gagnons pour nous apporter plainte. Pour le ministère de planification qui fait signer un contrat sans qu'il ne va respecter l'engagement envers nous. Donc, en gros, c'est ça parce que le problème qui est vraiment grave à l'heure actuelle pour y avoir Kazek tout à l'heure. De notre côté, le président de l'association de Kazek d'Haïti, Jean-Yves, a informé avoir fait des démarches auprès des politiques, mais sans succès, qui plus est, le ministère de l'Intérieur a suspendu toutes les subventions alloué au Kazek sans pourtant les payer, s'indigne d'Haïti Jean-Yves. Oui, nous faisons une démarche. Nous rencontrons avec le ministre intérieur depuis octobre. Nous avons dit ministre, depuis le mois de juin, nous avons fait une démarche à tel point que nous avons même lancé un mouvement pour 22 juillet à Port-au-Prince. Nous avons réussi et nous avons lancé l'autre mouvement pour 29 juillet. Donc nous avons pris 8 jours. Après chaque mouvement, si l'État n'a pas capable de satisfaction pour nous continuer à mobiliser jusqu'à ce que l'État paye nos salaires nous et paye le bureau qui loge le conseil. Donc, le ministre est venu, le comité de mobilisation, il parle avec nous comprenons, et il dit qu'il a pris des engagements fermes pour essayer de payer. Nous d'accord. Rivé octobre, nous ne savons pas marcher. Nous voulons lancer la même initiative que nous avons en juin juillet. Rivé novembre, ministre campé sur toute activité dans le ministère intérieur. C'est-à-dire, il n'y a pas de financer des projets, pas tourner à la case de la doit exister l'activité de la section qui est relée de la case de 50 000 pour faire patronal, il n'y a pas de bail. Il n'y a pas de financer aucune subvention parce que le ministère intérieur n'a pas de souci pour payer nous. Donc, nous ne pouvons pas dire avec ça, nous sommes d'accord parce que nous connaissons le salaire de la case de la case. Toutes les mesures qui allaient dans ce sens, nous souhaitons la bienvenue. Mais cependant, rien n'est pas fait. Au contraire, pour les sommes, c'est un seul grain de moi, dans toute sa qualité du noir. Et depuis lors, nous n'avons rien de c'est moi qui ai monté, moi, ça a fait 13 mois depuis que nous avons payé Kazek qui touchait 11 500 gouttes à l'actuel, qui n'a pas même 1000 gouttes par jour. Donc, je ne sais pas si la sécurité du ministre n'a pas touché, je ne sais pas si le gardien du ministre n'a pas touché. Je ne pense pas que les gens qui ont été en train de se faire, soit en employé, ou même touché, ou même qu'à l'élection qui est élue, au même titre que président, au même titre que député, au même titre que sénateur de la République. Bon, finalement, c'est comme ça qu'on a choisi de traiter Kazek. Et nous-mêmes, nous avons concerté au niveau national pour nous aider dans les jours à venir, qui réponse que nous sommes capables de faire l'État, vu à toute dette qu'il a pour Kazek. Côté qui a un petit bail pour fin d'année, et un petit coup soupe qui compte 50 000 gouttes ou 75 000 gouttes. Ah, mais ça, il n'y a pas de bail. Non seulement pas payer, il n'y a pas de bail, ça, il n'y a pas de bail chaque année pour permettre qu'à Kazek et passer une bonne fin d'année. Finalement, c'est la première fois dans l'histoire. Moi, je suis Kazek parce que je suis 14 ans de Kazek, c'est pour la première fois que nous tombons dans une situation aussi dégradante comme ça pour pouvoir même payer Kazek. Pour pouvoir financer patronal, il n'y a pas de bail fin d'année en fin d'année. Les réactions continuent à pleuvoir en ce qui concerne la décision prise par le Premier ministre d'enlever les teintes des vitres des voitures circulant sur le territoire national. Le coordonnateur du Bureau d'assistance légale des CAI, M. Edouard Kassamajor, soutient que c'est un décret qui devrait abroger celui
qui a donné feu vert aux conducteurs de teinter leurs vitres. Suivez Edouard Casamajor. Même moi pas gain pour me faire obstacle à décision bien à ça que autorité dans pays me dit. Cependant, il y a une façon pour le faire. Moi-même en tant que légaliste, moi pas aller. Ma pral dit, si gen un loi qui te prend pour te bailler obligation, pour te bailler permission pour que ensemble de monde qui est dans le pays soit capable de tenter vite machine, c'est même gens tout. C'est même gens. Et autorité va pchiter ensemble, ils prennent même décision parce que c'est un décret qui a abrogé un décret, c'est une loi qui a abrogé une loi. Donc, moi, ouais, quelques pagains, quelques fuites en avant qui a fait autour de questions ça, mais quand même, pas qu'à faire obstacle à lui, je dois, moi-même, faut moins ou moins détenter machine moins déjà. Donc, machine moins détenter, m'a circulé sans problème. Donc, moi, m'a demandé, est-ce que ça, c'est la meilleure solution pour que et gagner sécurité qui est établie dans le pays. Donc si c'est meilleure solution, hein, nous avons fait sacrifice ça, mais si ce n'est pas meilleure solution, encore bagarre la vie plus grave, donc responsabilité a tombé encore sous deux autorités. L'ouverture de la troisième édition du championnat universitaire de football réalisé par l'Association sportive des universitaires du Sud ASUS est prévue pour ce dimanche 14 mars au parc Mister Henry, a annoncé le président de l'ASUS, Robert Pierre Lucien, ce vendredi 12 mars 2021 au micro de la presse. Suivez. Moi, je viens de parler de la troisième édition championnat interuniversitaire de football là, qui a organisé sous PAC Mystery, comme d'habitude, avec participation 9 universités dans la ville là, qui repartit en 3 groupes. Groupe A, qui est l'Université américaine de la Caraïbe, AIC, École de droit et des sciences économiques des CAI, etc., que tout le monde puisse habiter sous nos CAMOPO, et puis Université américaine des sciences modernes d'Haïti, UNASMO. Groupe BA gagne Université intégrée de la Caraïbe, UNICA, qui te gagne un ancien nom qui c'est UMH, et puis gagne Université de Lumière. Et puis troisième équipe là, c'est BTI. Pour groupe CA, nous gagnons l'Université Notre-Dame d'Haïti, UNDH, Université publique du Sud, OCAI, IPSAC, et puis dernier qui est placé, Université polyvalente d'Haïti, UPH. Alors, lancement a fait et dimanche 14 mars 2021, c'est-à-dire dimanche si Dieu veut, la bien c'est équipe championne en titre, là, qui c'est l'Université américaine, qui a joué avec l'École de droit et des sciences économiques des CAI, qui c'est EDSEC. Alors, nous avons gagné pour nous gagner un défilé, un coup de défilé, qui a rentré dans le parc Mystery ensemble avec un fanfare, avec deux équipes pour nous capables de rentrer sous terrain pour nous capables de coup d'envoi et troisième édition championnat. Bon, comme d'habitude, nous toujours commencer pour compte nous, et nous toujours compter sur le support comme si étudiants ou cap vinn dans match et puis public à tout cap vinn dans match, mais nous pas pral dit que pas gen moun ki kon habitué supporter nous, mais au commencement yo pa konn la lè que nous même nous fin lancer au cours de route que nous a vini nous adresser yo nous écrit yo et puis yo même yo répond nous. Championnat interuniversitaire là depuis l'elle commencé c'est au championnat côté n'importe moun capable vinn ladan pas konn gen dérapage pas konn gen goumen nous capable toujours dit quel que soit moun que lié qui remet football vinn supporter université yo pour sport qui a toujours été dans université vinn supporter tout ASUS qui a fait et championnat ça pour nous même pour nous capable pour connaître ces jeunes que nous y pour nous capable toujours gain envie pour nous capable faire championnat chaque année en dans université yo là vinn dans match non seulement supporter université et pour supporter activité ça que nous même que n'a fait. Sur le plan national, au moins 3 policiers ont été tués au cours d'une opération policière visant à mettre fin au règne des bandits de Village de Dieu. 2 agents du SWAT team et 1 agent de la BOD ont été tués. La police nationale a été mise en déroute par les membres du gang 5 secondes. Un blindé de l'institution policière a été incendié par les hommes armés de cette bande. Un autre a été saisi. Des armes à feu de grand calibre, des munitions appartenant à la PNH ont été saisies. Le président de la République, Jovenel Moïse, dans une causerie en direct avec le peuple haïtien ce vendredi 12 mars 2021, a déploré la mort des policiers suite à l'opération menée par les forces de l'ordre au Village de Dieu
jeudi 11 mars 2021. Jovenel Moïse présente ses sympathies aux familles des policiers victimes. « Là où je suis, je ressens la douleur que vous ressentez », a déclaré l'air attristé Jovenel Moïse. Suivez. Situation pays, situation peuple. Mais avant de commencer, nous connaissons que jeudi 12 mars, il y a un gros bagage qui passe dans n'importe où. C'est la police qui a gommé avec les moyens que vous avez pour mettre la population en sécurité, pour libérer la population en bas de griffe, problème bandit. Et malheureusement, nous avons frère nous, policiers, petit frère nous, qui tombé dans l'opération. Je profite de l'occasion pour me dire, parents, victimes, maman, papa, madame, cousins, cousines, que côté Michita là, moi senti douleur même j'ai avec eux. Parce que c'est pas ça que nous souhaité pour un pays héritage que nous avons besoin aujourd'hui, son héritage bandit. 35 ans après, le pays a entré dans l'ère démocratique. C'est une production de bandits. C'est une pire production que zone métropolitaine dans bail. Et pourtant, ça n'a pas arrêté comme ça. Parce que nous pas qu'à chaque jour, on a crié les policiers. Nous. Même j'en songeais, moi dernier, nous avons crié Patrick. Policier soit ça, qui était tombé en bas de l'assassin, des bandits, dans le temps, et Port-au-Prince. Combien pour nous gagner encore? Dans la même situation, des policiers qui tombaient en bas Zak de Yanda et bandit. Et bandit ça, ce n'est pas policier, ils comptent seulement. C'est les bandits qui comptent le peuple là. C'est les bandits qui travaillent pour empêcher que la population vive dans la sérénité, dans la sécurité. Sur le plan international, la famille de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier en mai 2021, va recevoir 27 millions de dollars de dommages et d'intérêts après avoir conclu un accord à l'amiable avec la ville de Minneapolis, ont annoncé vendredi les avocats de la famille. L'œuvre entièrement numérique, les premiers 5000 jours de l'artiste américain Beeple, a été vendue jeudi 69,3 millions de dollars, un montant record pour ce type d'œuvre. Suivez un reportage. De loin, cela ressemble à un énorme patchwork un peu brouillon. Mais à y regarder de plus près, il s'agit de 5000 morceaux de vie. Un collage de Mike Winkelmann, Beeple, de son nom d'artiste. J'ai fait une image pour chacun des 5000 jours. Ça, c'est la première dans le coin en haut. Et en bas ici, on a la dernière que j'ai terminée un peu plus tôt ce mois-ci. La dernière image, la voici. Des personnages réels et fictifs, facilement reconnaissables, malgré leur accoutrement. L'excentricité n'est pas la seule originalité de l'œuvre. Elle est 100% numérique, c'est en fait un fichier. Et pour en garantir son authenticité et sa traçabilité, la technologie dite de la blockchain est utilisée. En clair, un registre public ultra sécurisé de qui détient quoi. Une nouvelle technologie qui monte en puissance. Personne ne peut prédire l'avenir, mais le champ des possibles est énorme. Et ça démarre vraiment, ça fait boule de neige vers quelque chose de beaucoup plus grand. C'est grâce à cette technologie que l'œuvre a été vendue aux enchères, et pas n'importe laquelle, Christie's. Le prix donne le vertige, 69 300 000 dollars, un record pour une œuvre entièrement numérique. Il y a encore 6 mois, l'artiste américain n'avait pas vendu une seule œuvre. Mais ce n'est pas la première. Fin février, Crossroads s'était revendu à 6 600 000 dollars. Beeple incarne désormais la fièvre des collectionneurs numériques et se hisse dans le top 3
des artistes les plus chers du monde, de leur vivant. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette sortie du coup d'œil. Je rappelle les titres. La ville d'Ekaï vient de connaître 3 jours de blackout total. Les membres de Kazakh n'ont pas reçu leur chèque depuis tantôt 13 mois, dénonce d'Haïti Jean-Yves, président de l'association des Kazakhs du Sud. Au village de Dieu, un blindé de la PNH incendié, un autre confisqué par les bandits. Le président de la République, Jovenel Moïse, dans une causerie à la Nation ce vendredi, a déploré la mort des policiers lors de l'opération menée au village de Dieu. Meurtre de George Floyd, la famille obtient 27 millions de dommages intérêts. Nous avions pris plaisir à vous informer. Mesdames, Messieurs, bon week-end et soyez très prudents.